Avant de prendre la direction de l'Opéra Comique, j'ai été invité 5 fois à diriger des œuvres emblématiques de l'opéra français. Et parmi celles-ci, j'ai un magnifique souvenir d'Hamlet, grand opéra, magnifique production, magnifique interprétation aussi avec des chanteurs fabuleux, un orchestre merveilleux. Et une des raisons de la présenter à l'Opéra Comique est qu'à côté de moments de grand opéra français, du grand théâtre de déclamation lyrique, il y a tout d'un coup des moments de conversation, des moments d'intimité extrême, évidemment le fameux être ou ne pas être. Et Ambroise Thomas, de plus en plus, abandonne les airs et écrit des scènes théâtrales. Mais quand on voit ce qu'écrivait Berlioz de la musique de Thomas, où il célébrait son tact, cette incandescence de son écriture, eh bien, on retrouve ça dans Hamlet. Il y a d'abord une spatialisation, il y a des orchestres de coulisses, il y a des chœurs qui semblent venir de nulle part. Il y a le premier grand solo de saxophone de l'histoire de la musique. Et à l'opéra, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs un autre de cette importance-là. Il y a des alliages, une alchimie tout à fait extraordinaire. Je suis très fier d'avoir été le premier chef d'orchestre de Cyril Test et avant ça d'ailleurs de Denis Podalydès, puisque les deux ont réalisé leur première mise en scène lyrique à l'Opéra Comique. Et j'imagine avoir été un bon compagnon. C'est-à-dire que je n'étais absolument pas dans le rôle de celui qui savait et qui allait les guider. Mais au contraire, puisque j'avais cette expérience-là, je pouvais laisser à Cyril Test, par exemple, la possibilité d'être complètement désinhibé par rapport à ce qu'on doit faire ou ce qu'on imagine devoir faire. Et j'ai trouvé formidable de voir Cyril toujours dans l'expérimentation. Et donc cette vibration, ce rapport entre ce que l'on voit sur l'écran, ce que l'on voit sur la scène et ce que l'on entend dans la fosse, donne un miracle de couleurs à voir et de couleurs à entendre. Donc, venir voir et entendre Hamlet à l'Opéra Comique, c'est une expérience unique de par la taille, l'acoustique de la salle, des interprètes absolument extraordinaires et une mise en scène d'une originalité qui fait que, vous savez, souvent on vous demande pour une première rencontre à l'opéra, quelqu'un qui a priori a beaucoup d'a priori contre l'opéra. Et bien moi, je pense qu'il doit vous venir voir une production comme celle-ci. Parce que ça n'a rien à voir avec toutes les idées préconçues. Et il y a une émotion immense, une jubilation formidable. Et découvrir ou redécouvrir un chef-d'œuvre et découvrir la force, la beauté et l'intimité de ce que peut être, et à mon sens, de ce que doit être l'opéra. En tout cas, c'est mon sens, le sens de ma venue ici à l'Opéra Comique.